Salut à toutes et à tous, ici Dixon, 91 en compagnie de Clémentinos. Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur Borderlands 2. Exactement. Sur Borderlands 2. Et il me l'a acheté vu qu'il était en promo à la place de combien il était en promo. Ah, je l'ai payé sur G2A pub, hein. C'est 7€. Plus de 10€ sur Steam, mais sur Steam il est en promo, il est à moins 50%. Donc voilà. J'aurais préféré payer 7€ quand même. Donc il me l'a pris, donc je devrais le rembourser déjà qu'il m'a acheté CSGO. Non, mais Borderlands c'est offert, mais c'est plus CSGO que... Ouais. Donc on va faire une nouvelle partie. Donc j'ai cliqué sur nouvelle Alors, partie. Vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin trop tard. De Pandore qui Il fallait pas. Il faut que je t'invite dans mon truc. Dans bon, attends, je rejoins ta partie. D'abord, il y a eu l'arche. Une prison. On dit rien, il y a une cinématique. Hein. Mais t'as rejoint, fallait pas rejoindre. C'est bon, j'arrive, je rejoins ta partie là. L'arche n'a été que tentacules et déceptions. Ils se sont volés. Quel beau boss, hein. Je lui dis, attends, faut que tu rejoignes ma partie. Et lui, il fait, ah, mais non. Attends un peu. Enfin, tu sais, il y a. Attends, c'est cinématique toi là? Ouais. Tu choisis pas ton perso pour l'instant. Un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'iridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer. Je ne parle pas vraiment dans la vidéo, je crois. Les Borderlands une fois pour toutes. C'est gros con, il fait. Oh, merde, j'entends pas. Hyperion n'était pas la seule à convoiter la. Savoir que sur Borderlands 2, il y a deux DLC. Bon, je m'en fous, il y a les sous-titres. Difficile de résister à l'appel du danger et du. C'est le gars, il dit silence total, s'il vous plaît. Et t'entends. Se sont donc lancés à l'aventure des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains. Des inconscients. De toute façon, les gens qui vont voir le live, ils connaissent en général la cinématique. Alors, je veux dire, c'est connu comme jeu. De l'arche. Notre histoire débute. Alors, moi, je pense que je vais faire un défaut ailleurs parce que j'ai adoré un défaut ailleurs. Le beau Jack. Ouais. Il est moche, le beau Jack. Bojack. Ah, il est Bojack. Donc là, il y a un chien. Cool. On recherche des chasseurs de l'arche. Alors l'arche, c'est... J'essaie, il a expliqué. Alors moi, je n'ai pas la cinématique, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai déjà acheté le jeu, donc j'ai déjà fait l'histoire, je fais pas vraiment l'histoire, donc voilà. Violence. Encore plus de violence. Le chien qui se fait traîner comme une grosse merde. Je me rappelle même pas de la cinématique. Ah ouais, je pense que c'est parce qu'on a pas rejoint ensemble, c'est pour ça. Mm. Bon, heureusement je lui ai dit d'attendre, je t'invite, mais non. C'est comme ça. Il y a le train qui est rentré dans la voiture là. Ah oui, c'est vrai. 2K Games présente. Et après tous les persos, il y a la musique stylée. Ouais, software game. Ouais. C'est un beau jeu quand même. Hein. Par rapport au premier, il est meilleur. Ouais, par rapport au premier, ouais, il est graphiquement mieux. Ah, c'est sûr, hein. Bah, heureusement. L'histoire est mieux aussi. Hein. Par rapport au 2, oui, largement mieux. Bienvenue chasseur de l'arc de l'arche. Alors tu me dis quand tu arrives dans les choix des persos. En enfer, rien de personnel. Dans le rôle du commando Axton. Ah ouais, j'ai cette tête, moi. Dans le rôle de la sirène.
dans le rôle du défourailleur. Lui il est stylé, défourailleur. Hein? Alors, si vous voulez, je vous montrerai un. Quoi? Défourailleur. Ouais, bah, ouais, moi je vais prendre lui. Ah. Tu prends le même si tu veux. J'aime bien aussi le gars en samouraï. Là. Samouraï, il est aussi. C'est le. C'est un bon perso. Dans le rôle d'un chiffre. Incinération de bandits. Ouais, mais deux défourailleurs, ça fait pas stylé, tu vois ou pas? Non, c'est pas stylé, c'est sûr. Et moi, c'est mon perso, un de mes persos préférés, alors. Vas-y, moi je prends le. Mais le sabreur, il est bien et le commando, il est bien aussi. Hein. Avec le commando, il a une mini tourelle. Je sais, je. Et là, t'es le choix des persos là, non, c'est non, ça? Non, 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 il y a encore la cinématique là. Ah, d'accord. Je sais ce que je vais prendre comme tenue. C'est là, c'est Bojack qui a fait exploser le train. Ah, d'accord. Franchement, je vais prendre ça, je pense qu'il est pas mal comme ça. C'est quoi ça? Micromancienne. Ah, mais non, il faut le DLC, ah, je suis con. Ouais, alors il y en a deux au-dessus, c'est deux DLC. Et ensuite, t'as les 4 persos en dessous. Le commando, il a un cul de mini tourelle. Le sabre, il fait une attaque spéciale à l'épée. Elle utilise un pouvoir. Je sais plus c'est quoi qu'elle utilise. Vas-y, moi je vais prendre de 0, ok? Ouais, contrôle, elle peut contrôler, je sais pas quoi. Et après, il y a bah, le défourailleur, il peut avoir deux armes sur lui. Moi je prends le samouraï. Est-ce qu'il a une arme samouraï à part aller au corps à corps? Oui, oui, il a une arme. Oui. Je sais pas si je prends. J'essaie de trouver un. Non, c'est bon, je l'ai sélectionné. J'ai pris 0. Bleu, manche verte. Ouais, moi je peux choisir la couleur. Parce que toi t'as déjà joué. Ouais, je crois que je vais prendre cette couleur là. Ouais, bon, voilà. Donc c'est bon, on peut commencer. Ça va commencer dans 55 secondes exactement. Donc attends, je vais confirmer. Voilà, je pense que ça va commencer. Ouais. Donc j'ai jamais joué avec un de tes persos. Moi j'ai joué avec des. Avec un pote qui avait un DLC. Donc la meuf qui était au-dessus. Et j'ai joué avec un commando. Encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Ah, je te vois à côté avec ta main. Non, moi je te vois pas. Est-ce que tu vois la cinématique? Ouais, je vois la cinématique. T'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier! Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé! Je me présente, je suis un robot multifonction. Là. CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appellerai s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh! J'ai quelque chose pour toi! Qu'est-ce qu'il va me donner encore? Tiens! Prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de 15-12. Il vient de le voler sur un cadavre et il dit j'ai pas piqué sur un cadavre. Je te jure. Ne restons pas dehors. Toi t'as 10% aussi toi. Ça déchire. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche. 10% d'HP. J'ai 94. Non, j'ai 94. Ah moi t'es pas en danger non? Si. Mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt, mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison, et moi, je suis là pour t'aider. D'accord. Alors moi, quand j'avais joué à Borderlands, j'avais un PC tellement pourri que les graphismes étaient vraiment pourris, mais quand là, je m'en rends compte... Putain, c'est... Putain, enfin, c'est magnifique. Plus ce vent de merde. Moi, faut que je me soigne, hein. C'est bizarre que t'es. Ouais, mais oui, tu vois, toi, tu vas te manier, t'inquiète pas. Signera la perte du beau Jack. Non, bon, ça. Alors là, je vais pas rien dire sur l'histoire. Ouais, je connais déjà l'histoire, mais. Moi, je connais pas, donc. Là, on va rentrer dans sa base, en gros. Ah, je sais, ça et ça s'ouvre. Des petites mesures de sécurité. Il faut faire attention au Garogo. Il vous arrache un œil en moins de deux. Alors là, tu peux ouvrir les petites caisses. Donc là, il y aura des munitions. Ouais, bah si tu les prends, comment tu les prennes? Ah merde, bah non, mais y'en a d'autres, t'inquiète pas, y'en aura plein d'autres. Par contre, la sensibilité de la souris, elle est balèze. Hein. Il y aura plein de caisses. Là, y'aura une caisse ici. Je te laisse. Il le balance par ici. Bandit, chasseur de l'arche. Non, mais en fait, je crois que ça prend un ou deux, je crois. Non, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette. Non, mais ça, t'inquiète pas, je crois que ça apparaît un ou deux, je crois. Bon,
Parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles. Il est en train de raconter sa vie, nous on est en train de le dépouiller. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs là. Pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. De l'argent. T'as un truc pour soigner là, regarde, prends-le. Ah, c'est risque pas grand chose. La prise. Tu me dis c'est en vrai encore. Ah. Oh putain. Regarde. Ah ouais, ça. Il va le prendre. Ça, c'est le premier boss, ça. Ouais, je sais, j'ai regardé. Comment tu sais? J'ai regardé du début, tu vois, vite fait. Ah, d'accord. Alors là, là, ici, il y aura des armes. Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Là, j'ai un pistolet, normalement, t'en restes un pistolet, voilà. À cause du beau Jack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Là, normalement. Si on met de côté la douleur terrible que dis rien à propos de l'histoire, mais genre. Ouais, j'ai rien à dire. Même moi, je t'ai aidé. Je connais un petit peu, tu vois. Pour m'aider à rejoindre Sanctuary, je serai ton chef clairvoyant. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Pistolet. Il était pas. Ah, d'accord, en fait, il est passé par le petit trou, d'accord. Vas-y, prends l'autre caisse. Il est complètement. Prends l'autre caisse, tu vois. Laisse-moi ouvrir ça. On ouvre chacun une caisse, on fait ça. Et je crois, regarde, les munitions, on les a. T'as combien de munitions? Tu vois, j'ai gagné 123. Des munitions alors que. 106. Ah ouais, non. Ramasse pour voir. Si, si, ça en gagne un petit peu. Et tu vois, ouais, ça en gagne un petit peu en fait. Donc tant mieux alors. Ah, c'est. C'est quoi ça? Même l'argent aussi, hein, tu gagnes. Peut-être pas ça, l'argent. Ça, c'est la carte ça? Ça pour l'instant, ouais, c'est une sorte de checkpoint en fait. Ouais, ok. Mon ordi, il chauffe pas mal. Cœur de primate, t'as beau m'avoir aveuglé. Je sais toujours m'orienter dans le glacier. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à Frostbite Crevasse. Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Ah bah t'as. T'inquiète, je comprends. Ah, je m'en rappelle de là. Les garogos! Je les vois même pas déjà. Là, là. Moi j'ai autre. Tué personne. Là, y'en a un en bas. C'est 3 coups par 3 coups. Ouais, c'est un FAMAS quoi. Ouais. Là. Quel paysage magnifique! Ça commence! Ah. Jack met Pandore sans dessus dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Défendons! C'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim! Ce drôle de petit robot peut aider à atteindre Sanctuary. L'ultime bastion de la résistance contre Jack. Et le seul endroit. Putain, j'aime pas, il joue comme. Il bouge comme des babouins. Hein. Y'a un autre. Si t'as besoin de soin, y'en a un. Putain. Oh, là, lui il est gros, lui. Moi je mets que des critiques. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée de. Ouais, pareil, je mets que des. Mais c'est vrai, quand tu mets une balle dans la tête. Quand tu mets une balle dans la tête, c'est critique. Tu es toujours là? Je n'entends plus de garogos. Je n'ai plus qu'à attendre que tu me sortes de là. Il y a de la monnaie de pleurs par terre. Des fois ça ramasse tout seul la monnaie, hein, quand tu passes à côté. Il me semble. Tu te dis merci, substitut de relation amicale. Ah, ouais, c'est vrai, d'accord, il était là-bas. Salut, petite tête, c'est Jack. Président d'Hyperion, je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Il est complètement. Tu sais, il est méchant, mais il est complètement. Barjo. Barjo, quoi. Alors ça ramasse. Putain.
a fait un collier. Knuck. Oulala, il pue de la laine. Oh putain. Que moi comme d'hab. Vas-y, va sur lui. Mais pourquoi j'arrive pas à le tirer dessus en fait? Putain. Ah putain. Il y a des trucs de soins par terre. Ouais, t'inquiète. Voilà toi. Redescends. Oh non. Ah ouais, pour l'instant on peut pas. Là le friendly fire. Le friendly fire. En gros tu peux taper entre nous. Ah. Mais non, pas normalement. Eh. Ah si. Enfin non, avec les explosions normalement. Ah. Ah, il m'a fait mal. Ah, il est... ah. Putain, mais je vais crever. Si tu pouvais récupérer mon œil. Oh, ah, ça, il faut récupérer ça. Ah, il y a des pistolets là. Tiens, il y en a deux. Comment on fait pour changer? Comment tu fais? Oui, non. Alors tu fais la touche, le shift. Donc là c'est moi j'ai. Donc là tu peux avoir deux armes. Hein. Non, donc, tu fais 1-2. Non, fais 1-2. Tu fais 1 et 2. Voilà. Ouais. Alors moi bien. Il est plus impressionnant. En fait, tu fais plus mal. C'est... Il a 7, il a 7 balles. Mais il fait plus de dégâts. Non, moi il a 16 balles. Hein. Ah, ça dépend alors. Ouais, j'ai pris le. En fait, moi j'ai pris le puissant mais avec moins de balles. En gros, moi j'ai comme si j'avais un Desert Eagle et toi t'avais un. J'ai pas. Il est où là? Ah, moi j'ai des armes et tout. Quoi. Exactement! Allez, ouvre-moi ça! C'est une porte Hyperion! Jeu d'enfant! Ouvre-toi! Là, ça apparaît en rouge. Alerte intrusion, verrouillage de la porte. Bon bah on s'est bien amusé. Il peut se faire dévorer par un garoko n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Changement de phase en cours. Y'a pas de quoi. Ça aide d'être une intelligence artificielle. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. D'accord, la route est longue jusqu'à Sanctuary. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. D'accord, bah merci, écoute, hein. C'est très gentil de ta part. Bon, ah là, regarde, il y aura des caisses de munitions, donc il y aura une grosse arme, je te laisse la prendre. Ok. Fais-moi signe quand tu seras. Tiens, là, il y a les munitions avec. Une sorte de fusil à pompe. Comment on fait pour changer? Alors tu fais shift, tu vas dans ton inventaire, il y a un petit sac normalement. Ouais, c'est bon, je l'ai équipé. Ah, voilà. J'ai compris direct. C'est parti à l'aventure. Moi je suis niveau 2. Et après on va y aller, les compétences augmentées. Donc ce sera après. Ok, ça, j'ai pris demain. Comment on fait pour Pour l'instant on n'a pas de compétences, ce sera après je crois. Allez. On y va à ton rythme. Évidemment, c'est moi qui dirige cette opération, mais c'est toi le chasseur de l'arche avec les biscottos. Chargement de la puissance. Stylé, Storm. Ouais, mais tu verras après comment. Tu vas voir après. Non, mais je te parle pas de l'arme que j'ai. Hein. Ah. C'est pas le moment de plancher, Sbire. Ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le Capitaine Flint. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs Silex. Mois. On jouait à esquive le chalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide. J'étais très bon au premier,
Habitants de Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyersberg. Ah, et la prime sur Roland tient toujours. Ce tueur en série à la tête du pillard écarlate. Bonne chasse, ami bandit. Oh putain. $1 million. Ah, ok les gars. Ici le capitaine Flint. Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me l'emmener. Oulala, moi ça fait peur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin après qu'on soit rentré. Ouais. T'es où? Ta-na-na. Non parce qu'il y a un petit chemin, il faut pas aller par là. Ce sera après. Prodigieux. D'abord l'attaque des bandits du capitaine Flint et ensuite Claptrap surgit. J'essaie de monter de sur toi et passer de côté. Ça marche pas. Auriez-vous la bonté de tirer les hommes de Flint? Bon. Attention. J'ai une proposition à te faire, chasseur de l'arche. Tu lâches l'affaire et on te tire juste une balle dans la tête. Rapide, sans bavure et beaucoup moins pénible que ce que le beau Jack te réserve. Moi je change d'arme en plein combat. Merde. J'avais pas touché. C'est quoi votre problème les gars? Tuez-moi ce lâche. Les armes là. On n'aura jamais la récompense. Le mec il change d'arme en plein combat. C'est ce que j'ai fait hein. Pourquoi j'arrive pas à choisir? Oh non, les garogos. Ah j'arrive pas à mettre l'arme, je comprends pas. Mon flingue va parler pour moi. Ah il est juste... alors qu'il est niveau 3 requis moi en gros et on me tirait dessus depuis tout à l'heure. Ouais. Je crois que je vais mourir. Oh putain. Oh putain. Mais je m'en bats les couilles, je sors le fusil à pompe là. Oh je l'ai eu. Kamika. Bon. Putain ils peuvent donner des coups de poing. Ouais toi aussi je crois. Oh je l'ai en headshot. Alors ici on peut acheter des Ah pour l'instant on peut pas. Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir que je rende la vue à Claptrap. Je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Claptrap passer en premier. Je savais qu'un Morlock finirait par accepter. Bah, il est où? Il est là. Deux doigts de la main. Allez, voilà. Ouais, sa voix, mais je sais pas où il est. Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident un à un. J'aurais besoin de prendre l'air. Ravi de faire votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis Sir Hammerlock. Homme de goûter à la fin. À votre service. Venu dans la région afin d'étudier les garogos pour mon almanach, mais les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Survivre à un affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du capitaine Flint, c'est du jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, s'il vous plaît? Oui. Ah bon non, c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas les compétences, on a rien pour l'instant. Tu sais que t'es pas obligé de faire 1 et 2 hein, tu peux faire glisser la molette. Oui tu peux glisser la molette. C'est quoi ce bruit là? Il y a plein de coffres que t'oublies derrière. Ah allez j'ai récupéré un. Dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Ici, y a que des tueurs et des attardés. Comme ceux à Merlin, par exemple. Pourquoi détourner les morts alors que vous êtes là, mec? Maintenant que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Oh, oui. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit.
Allez, vas-y, sbire. Ainsi donc, Jacques, notre vaillant leader, en a prévu. Un homme charmant, n'est-ce pas? Il déblatère des âneries sur la pacification des contrées sauvages, et l'instant d'après, paf, il abat négligemment... Je dois bugger, moi, un petit peu. Non, ça va, moi, je te vois. Vous déjà le scénario, c'est ça? Oh, mes excuses. Si on le tire dessus, ça fait quoi? Vous voilà. C'est... Je crois que ça annule la mission, je crois. Vous avez des ballons surplus. Moi, une fois, je crois que... Le capitaine Flint a beau avoir tué tout le monde à l'Ayersberg, ce n'est pas... Mais tu vois, essayer. Quel manque de respect. Enfin, j'avais tiré dessus, je l'avais tué, je crois, et ça a annulé la mission. Les objectifs sur ton ATH correspondent à la mission active. Tu peux changer la mission active via la section journal de mission sur ton système Echo. Alors, ça vous plaît, Ayersberg? Niveau 3. Tu peux t'équiper de ton truc. Ouais, je crois qu'il fait mon... Bon, on va s'arrêter là. Ouais. Donc, c'était... Borderlands 2. Avec Clémentinos. On tournera pas à la suite, hein, parce que on a des trucs à faire, hein, derrière. Comment? Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à continuer à me suivre. Hein. Allez, ciao! Ciao tout le monde!